On va faire ça dans des conditions un peu particulières. J'en profite parce que le jour de Noël, il va pleuvoir. Alors, autant faire ça dehors, pendant qu'il neige, pendant que je me gèle les doigts, mais c'est pas grave. Alors, ce tome 1, que j'ai complètement bouffé en un soir, Vador, Dark Vador, le seigneur des Sith. Déjà, moi, il y a un truc que j'ai envie de vous dire, c'est que ça fait tellement de bien. En fait, même des années après avoir découvert la Revanche des Sith et y avoir été autant touché, de voir la suite, de voir même les premiers dialogues ensuite qui s'enchaînent, c'est assez fou. Et en fait, cette impression de dire, waouh, qu'est-ce qui va se passer après? Que quand tu le découvres, même en comique, eh ben, ça a une saveur particulière. Puis même au-delà de ça, je pense que c'est un comique, mais en fait, c'est tellement bien fait. Vu que tu as du visuel et que le visuel est super respectueux, en fait, tu t'y prêtes, t'as vraiment l'impression de voir tout simplement la suite, de voir ce qui se passe après. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la gueule de Palpatine, comme il est représenté, comme il est fait. Déjà, il est très fidèle, mais je dirais même au-delà, c'est-à-dire qu'il fait vraiment peur, quoi. Et c'est les traits vraiment des comiques qui peuvent parfois me rebuter, parce que des fois, dans les comiques, c'est les traits de visage sont vraiment trop prononcés. Mais là, en fait, dans les comiques, alors que ce soit celui de Dark Maul, celui ici de Vador ou celui de Kylo Ren, ça reste des dessins qui sont plutôt fidèles et qui sont pas trop exagérés. Parce que moi, si je me suis jamais mis vraiment aux comiques, bon, c'est parce que d'une manière générale, j'aime pas trop lire, mais les comiques encore, c'est différent. Mais aussi parce que j'ai toujours été plutôt rebuté par les dessins. Et là, en l'occurrence, ben, il n'y a pas à dire. La qualité des dessins, c'est vraiment top. C'est fidèle à ce qu'on connaît et limite ça accentue les traits de certains personnages comme Palpatine. Et c'est là où il nous explique en fait qu'un cristal Kyber est vivant, qu'il ressent la douleur et qu'il appartient en fait en quelque sorte aux Jedi qui l'utilisent et que si jamais Vador veut avoir son propre sabre laser, parce que c'est le but de ce tome, eh bien il doit aller récupérer un cristal Kyber d'un Jedi, mais après l'ordre 66, mec, donc il en reste plus beaucoup, mais c'est là où ça va être très intéressant et où on va dire alors je sais pas qui décide vraiment du scénario, est-ce que c'est vraiment juste la personne qui fait le comique? Je suppose qu'il doit quand même y avoir des discussions avec les personnes de chez Lucasfilm, etc., pour bah, que ce soit cohérent avec tout le reste et avec si jamais ils ont besoin de faire une suite ou alors faire une histoire parallèle qui se marche pas dessus et que ce soit tout cohérent. Donc là-dessus, c'est vraiment très ingénieux ce qu'ils ont trouvé. Palpatine le laisse quelque part, et il le laisse en quête en fait de son sabre laser. Et au début, tu comprends pas trop. En fait, il le lâche un peu comme ça en pleine nature. Mais en fait, il lui dit ouais, normalement il devait y avoir un vaisseau. Je crois qu'on te l'a volé, donc il va falloir que tu ailles le récupérer. Et c'est ce qu'il fait. En fait, il va jusqu'à une sorte de base, alors où il y a des personnes, des habitants de la planète hein, qui ont le vaisseau. Et puis bon, il les zigouille, quoi, tout simplement. Il leur vole le vaisseau qu'il lui avait volé et il s'enfuit avec. Et on a droit aux sirènes. Ah, et ils sont pas qu'un peu en plus. Bien. Et donc, avec le vaisseau, il arrive à un endroit où il y a des clones. Et il y a des clones en fait qui se la jouent un peu à des Jedi parce qu'ils ont un sabre. En fait, je crois qu'à ce moment-là, en fait, ils essaient de récupérer tous les sabres que les Jedi ont laissé tomber à cause de l'ordre 66. Et en fait, ils les brûlent tous. Je crois, ils les détruisent tous. Et c'est ça, en fait, comme disait Palpatine, bah tu vas pas juste récupérer un sabre. Tu ne le mériterais pas. Il faut que tu ailles le prendre d'un Jedi. Et donc, en fait, pour expliquer, en fait, il a été à cet endroit-là pour essayer de localiser un Jedi qui aurait fait vœu de barrage. Et ça, mais j'avais jamais, mais jamais entendu parler, mais du tout. Je sais pas, malgré toutes les discussions, ou alors je suis passé à côté, un Jedi qui a fait vœu de barrage, ce serait un Jedi qui s'est tout simplement exilé de l'ordre, qui a voulu tout simplement ne plus en faire partie. Alors, je crois qu'il y a soit c'était sa volonté, soit il a transgressé des règles qui a fait que il s'est exilé. Quelque part, ça m'a fait penser un petit peu à Ahsoka. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle aurait fait vœu de barrage? Alors après, moi, je me dis peut-être pas, parce que un Jedi, même s'il a fait vœu de barrage, c'est pas forcément en fait qu'il s'est coupé de tout. Au contraire, c'est plutôt un Jedi qui va
ce qui se détache de l'ordre pour se retrouver tout simplement avec la force. Alors que Ahsoka, elle tend à dire qu'elle n'est plus Jedi, donc quelque part elle se couperait intentionnellement de la force, ce qui serait pas pareil. Et donc là, il localise un Jedi qui s'appelle Kirak Infila, qui se serait exilé quelque part, et donc il va le retrouver. Et ça me permet de parler de quelque chose, c'est que ce que je me rends compte, alors ça me l'a pas beaucoup fait avec le comic de Kylo Ren, mais alors avec celui-là, ça me l'a complètement fait, c'est le fait que tout va très, 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 très vite. Et c'est pas pour me déplaire. En fait, je dirais même que les romans de manière générale, ça va trop lentement, parce que tu dois tout lire, tu dois tout décrire, alors que là, en fait, c'est juste des images. Mais limite, peut-être que parfois, ça peut aller trop vite, et tu vois, par exemple, il doit retrouver quelqu'un, bim, il est devant lui. Il doit se battre, boum, il se bat déjà contre lui. Enfin, c'est la particularité des comics, mais je peux pas être contre ça, au contraire. C'est ce qui m'a permis complètement de bouffer littéralement le comic de Vador et d'aller jusqu'au bout en un soir. Bon, on va mettre la capuche là, commence un peu à faire froid aux oreilles. Et donc, bah voilà quoi, ils se rencontrent et bah ils se battent, Vador et Infila. Ils se battent et le combat est assez rapide d'ailleurs. Comme je viens de dire précédemment, je dirais même que parfois, peut-être que les combats vont un peu vite, ils passent pas assez de temps peut-être sur les combats, sur les échanges, etc. C'est peut-être, allez, mon petit regret, voilà, j'aimerais juste que ce soit peut-être un peu plus long, mais c'est pas trop grave. En tout cas, Vador, il se fait quelque peu défoncer, assez facilement même d'ailleurs, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mais plus tard tu comprends pourquoi, j'y reviendrai. Mais il arrive, grâce à des morceaux de robots qu'il avait détruit précédemment, à reconstruire partiellement sa combinaison et à revenir affronter Infila. Mais en attendant, Infila, lui, son objectif, il connaissait des gens sur cette planète-là qui s'occupaient de son vaisseau apparemment, et en gros, il s'est dit, tiens, bah, en fait, moi maintenant, en fait, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma raison de pourquoi, en fait, je vais revenir vers la force, ou plutôt vers l'ordre. En fait, mon credo, mon objectif de vie à ce moment-là, c'est de te détruire, monstre, il l'appelle monstre en fait, Vador, te détruire et ramener la lumière dans la galaxie. Parce que lui, en fait, pendant l'Ordre 66, il l'a ressenti, il a pas agi tout simplement, mais il sait que la lumière s'est éteinte, entre guillemets. Il était sur le point de partir avec son vaisseau, mais il y a Dark Vador qui revient et lui, là, il est complètement surpris. Et c'est là où tu as une scène qui est extrêmement intéressante parce que ils sont sur le point de s'affronter. Mais Vador, ce qu'il choisit de faire, c'est de détruire un peu en fait la ville qui est construite autour d'un barrage et donc de mettre en danger tous les habitants. Et là, le Jedi, lui, ce qu'il fait, Infila, c'est qu'il essaye d'empêcher Vador. Donc d'un côté, il essaye de se défendre contre Vador et en même temps, il essaye d'empêcher la destruction de la ville. Sauf que c'est là où tu te rends compte, c'est pas dit explicitement, mais tu le vois, c'est qu'en fait, la faiblesse du Jedi, et ça se ressent en fait ici, du moins un Jedi qui ne fait plus partie de l'ordre et qui n'a plus de limites, parce que quand tu fais partie de l'ordre, on te dit tu dois pas avoir d'attachement, etc. Et je pense que quand tu fais vœu de barrage, peut-être tu te ressens sur la force, oui, mais tu n'as plus tous ces dogmes, toutes ces limites, toutes ces règles, pas d'attachement, etc. Et là, bah, tu vois qu'il s'est attaché, aux habitants de cette planète et tout ça, il veut pas que ce soit détruit. Et donc, il dessert toute sa force pour essayer d'empêcher la destruction de la ville, mais Vador, lui, bah, il s'en fout. Et donc, il détruit tout. Et en même temps, il vient à bout de Infila. Et là, encore une fois, voilà, je me suis dit, tiens, waouh, il en vient à bout, mais tellement rapidement. Mais je pense que c'est juste pour montrer que, voilà, dès le moment où tu es attaché à quelque chose et tout ça, bah, tu te fais détruire rapidement, parce que cette attache, en fait, te rend faible. Et là, à ce moment-là, c'est assez énorme. Parce que Dark Vador revient sur Mustafar et Palpatine lui dit « Il faut que tu ailles là-bas pour corrompre ton cristal Kyber parce que c'est là en fait où tu as subi ta défaite. » Et donc c'est là où il y a toute la colère, toute la souffrance et il faut que tu t'en nourrisses pour corrompre le cristal Kyber. Et là, il se passe encore une fois une chose ultra intéressante que je n'avais pas vu venir en fait dès le début. Donc il essaye de corrompre le cristal Kyber et là d'un coup, il a une lucidité. En fait, parce que le cristal Kyber est gorgé de lumière. Et donc, il essaye de le corrompre, et puis il y a une espèce de grosse étincelle. Et puis là, tu vois qu'il a un moment de lucidité, tu te dis, ah, est-ce que c'est la lumière qui est issue du cristal Kyber qui le fait avoir ce moment de lucidité? Et en fait, on le voit aller vers Palpatine avec le sabre vert, je crois qu'il est vert le sabre, donc pas corrompu, tuer Palpatine et revenir sur Tatooine, je crois, là où il y a Obi-Wan. Et sauf que Obi-Wan, en fait,
je crois qu'il se retourne contre lui et il va tuer Vador. Et pendant la première moitié, en fait, j'avais pas bien compris, mais quand il revient voir Obi-Wan et tout, et comme ça s'enchaîne tellement vite, je me suis dit, attends, non, à mon avis, c'est juste une vision. Et effectivement, c'était une vision. Bon, je vais enlever ça, parce que je commence maintenant à avoir chaud. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se reconcentre, et là, il repense un peu à tout ce qui s'est passé, bah, et surtout la mort de sa femme, en fait, et tout ça. Et c'est assez horrible, et c'est ça, en fait, qui le fait complètement corrompre le cristal Kyber. Et là, ensuite, il revient voir Palpatine, il lui montre que ça y est, il a réussi à corrompre le cristal Kyber. Et là, en fait, on en arrive au tout dernier chapitre en fait de ce comic qui est porté sur les inquisiteurs, et je trouve ça super intéressant parce que du coup, moi, ça m'a introduit la notion des inquisiteurs. Alors, je sais, on les a vus dans Rebelles, etc., mais je veux dire, ça m'a introduit l'histoire en fait des inquisiteurs. Qu'est-ce qu'ils sont, qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, c'est ça, c'était vraiment super intéressant. Et donc, juste pour résumer un petit peu, de ce que j'ai compris, les inquisiteurs, c'est des chasseurs de Jedi. Et en fait, ce que dit Palpatine à Vador, il lui dit, eh ben voilà, ça va être ton objectif, ça va être de entraîner ces inquisiteurs. Et avant, ce qui se passe avant tout ça, c'est qu'il se fait attaquer par un inquisiteur, parce qu'en fait, l'inquisiteur était dans le temple, l'ancien temple, du coup, Jedi, et il voulait dérober des choses du temple Jedi. Vador arrive et puis il s'enclenche un combat entre les deux parce qu'il pense qu'il veut lui empêcher, etc. Et puis même Vador ne le connaît pas. Et puis c'est après discussion avec Palpatine, parce que Palpatine arrive, il dit non, mais en fait c'était juste voilà pour te tester, etc. Et c'est aussi à ce moment-là que Vador, quand il se bat contre l'inquisiteur, tu vois qu'il a beaucoup moins de mal, parce qu'en fait il a refait son armure. Il l'a remodelé un peu à son image, comme il le voulait, parce que bah, on sait que Anakin, c'est quelqu'un qui est très fort là-dedans, de base. Donc, et là, il galère beaucoup moins en fait contre l'inquisiteur. Et bon, il va pas jusqu'à le tuer, mais il aurait pu. C'est ce qu'il reprochait un petit peu à Palpatine après. Même il lui disait, mais tu imagines si l'inquisiteur m'avait tué. Puis après, Palpatine lui dit, non, mais est-ce que tu en crois vraiment que l'inquisiteur était capable? Donc il dit, bon, non. Et donc c'est ça, en fait, tu vois plusieurs inquisiteurs, dont le grand inquisiteur. Et c'est celui, je pense, qu'on voit dans Rebelles, hein, et puis qui ont la particularité d'avoir un sabre un peu en arc, comme ça, et puis qui le font aussi tourner comme une hélice. C'est très propre à eux, ça. Et donc, je sais pas, je pense que c'est lui, le grand inquisiteur qu'on voit dans Rebelles. En tout cas, c'est ça, ça se termine comme ça, avec Vador qui a réussi à avoir son sabre, à corrompre son cristal Kyber, et qui devient, en gros, le maître des inquisiteurs. Donc, tu te dis que maintenant, quand tu vois un inquisiteur, bah, c'est limite Vador qui l'aurait entraîné. Donc voilà pour ce comic-là que j'ai bouffé en un seul soir. Et oui, forcément, je l'ai beaucoup apprécié. C'est la suite de La Revanche des Sith. Tu comprends un peu plus Vador, ça creuse encore plus son mythe, et puis ça t'attache encore plus à ce personnage. Et oui, c'est clair que maintenant, quand je découvre ce genre de choses, que ce soit sur Kylo Ren, que ce soit sur Dark Maul, ou que ce soit là sur Dark Vador, ça me fait voir les personnages d'une autre manière, qui me donne toujours envie en fait d'en connaître plus, parce que je sais qu'il y a d'autres tomes. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir les occupations, parce que moi je commence à avoir super froid. Et ciao à tous.